avait un éléphant, il est là, il est là, il est là. Mais il est bon aussi, il est bon. Et puis il est bon. Bonsoir. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Bon, je m'en fous. En fait, je vais, normalement, je vais casser l'ambiance. Parce qu'il a tué, tu vois. Je peux rien faire après. Donc, ce qu'on va faire, vous allez poser un bout. Le temps de faire passer l'ambiance, genre, son bon puis bon signe, ça passe. Et là, moi, je vais commencer mon spectacle. Donc, vous allez, allez-y. Bon puis bon signe. Tu vois, l'alcool, c'est pas bon. Quoi. Non, mais sérieusement, je sais pas si ça va. Oui. Vous êtes content d'être là? Oui. Mais vous êtes obligés. C'est les gens qui font les carêmes, ils sont là. L'audience t'attend, mais tu es là, tu vois. C'est ça, tu te sens un peu important d'une manière. Mais sérieusement, il y a des gens qui sont venus me découvrir aujourd'hui. Genre, on dit quand tu fais de l'humour, je veux le voir. Il y a des gens. Bon, j'explique un truc. Moi, quand je joue, j'aime que les gens participent en fait. Vous comprenez? Vas-y, moi, ça, tu sais, c'est des tests, je n'ai pas bien écrit. Tu vois? Et c'est vos réactions qui me permettent de genre, je suis sûr d'être, tu vois, je suis sûr que c'est moi en fait. Mais quand vous ne répondez pas, ça me perturbe, je me stresse, c'est un peu chaud, tu vois. Vous voyez le micro descend, tout ça passer, c'est chaud, vous voyez. Donc, il y a des gens qui sont venus me découvrir ici. Oui. Vous foutez des mots, hein. Vous êtes étiqueté pour être là. Moi, je n'ai pas payé étiqueté, mais je suis plus choqué que vous, c'est vrai. Il y a des gens qui sont contents d'être là. Ouais. Il y a des gens qui sont venus me découvrir. Ouais. Et moi, je suis désolé. J'ai arrêté l'humour. Non, sérieusement, parce que à chaque fois que moi je finis mes spectacles, tout ça, il y a des gens qui viennent me voir. Parce que moi aussi, j'écoute beaucoup les critiques des gens, tout ça. Et les gars qui viennent me voir et me disent, genre, toi, tu fais pas trop bon humoriste. Logiquement, un abonné qui est là, cassé d'elle. Logiquement. Mais après, quand tu veux voyager beaucoup, tu mets l'eau dans ton vin. Ouais, exactement. Tiens, bon. D'autres mecs, tu l'as déjà bondi. Il dit, ouais, d'accord, je suis fait pour. Fais quoi? Il dit, non, tu dois être beaucoup plus investisseur, entrepreneur. Donc, du coup, j'ai compris ce qu'il a dit et j'ai appliqué ses critiques. Donc, tu vois. Et après, moi je me dis, il a raison. Parce que souvent quand tu écris des tests, quand tu es humoriste et que tu écris des tests, logiquement ça doit faire rire. Mais souvent tu écris, tu penses que c'est un bon public, tu envoies, tu dis ça dans ta tête, ça fait rire jusqu'à. Tu envoies, ils sont bons. Plus raconte pas. Non, quand tu vois, je suis entrepreneur, du coup, même si je raconte des choses qui ne font pas rire, c'est l'entrepreneuriat. Souvent tu peux investir et puis ça réussit pas. J'ai décidé d'entreprendre dans le métier de l'humour, de la culture parce que. Bien quoi. C'est mon seul jeu, c'est mon seul. J'ai décidé d'entreprendre dans le métier de l'humour, de la culture, tout ça parce que j'aime le truc, j'aime. Et puis moi, j'ai réfléchi beaucoup, j'ai des réflexions par exemple. Si je dois entreprendre, moi je vais entreprendre dans le domaine. Hormis l'humour, je vais entreprendre dans le domaine de la présidence en fait, tu vois. Les gars, sérieusement, je m'entends dans le domaine de la présidence parce que je me dis souvent, les présidents, ils font des lois, tu vois, ils sont, tu vois. Par exemple, actuellement, il y a une loi qui. Écoutez, minute de silence, écoutez. On dit une nuisance sonore. Ils vont voter une loi pour interdire les sirènes et tout ça. Est-ce qu'il est passé à l'époque où on est parlé? Mais est-ce qu'il a causé à cela? Ils ont le temps, hein. Les gens dorment pas mal sans. C'est quoi? Champion, on cherche un jet. Quand tu as dormi la nuit, on dit Abidjan, c'est la nuit. Tu vois, donc moi je vais entreprendre dedans parce que je me dis souvent, il y a des lois par exemple. J'ai envie d'être président. Par exemple, qui a déjà vu un président sous lui? Imaginez un président qui est sous lui. Quel genre de loi il va voter? Quel genre de loi il va faire? Par exemple. Bon. Je fais de l'humour. Parce qu'il y a les gens, tu vois, les gens qui ont porté les vestes là, mais viens vous deux. Ah bon? À 2 ans de carrière, tu critiques déjà le président? En plus, tu viens d'un nouveau, tu n'as pas vu l'autre, t'en as même pas dans le pot, il est.
créé le problème, oui. On n'est pas loin de celui. Il est pas, tu vois, à 5 minutes, il est là. Non, mais sérieusement, imaginez-vous un président sous lequel j'en ai décrit, va prendre, par exemple. Je vous ai dit. Après aussi, il y a ça. Quand tu veux réagir, faudrait qu'on entende ta voix, hein. Et puis, il faudrait que ça soit d'un trait. Parce que quand c'est. Les gens de Yoko m'ont fini de jouer, vous pouvez partir. Non mais sérieusement, imaginez un président qui est sous les quêtes et qu'il va prendre. J'ai pas dit Donald Trump, parce que lui on sait que toute sa vie il était sous les quêtes. C'est chaud, hein. Sinon comment il peut annuler le visa à tout le monde, hein? On s'en fout, chacun a ses problèmes ici. Non mais sérieusement, moi je ne veux pas aller en Europe, je ne veux pas là-bas, genre. En Afrique ici, les présidents, imaginez un qui est sous les. Mais non. Ah, quoi? Champion, ton rêve, d'or. Ici, en Afrique ici. Même au Maghreb, là-bas, ça passe pas, c'est pas ici, ça passe. Champion, l'argent, c'est l'argent. Non mais sérieusement, un président qui est sous les, va dire, genre, le pont, c'est bien. 500. Après, avant de faire l'humour, je faisais le droit. Je sais qu'il n'y a pas dit non de quelqu'un, non. Il y a des endroits où c'est payant. Ailleurs, c'est payant. Par exemple, chez nous, à Boba, avant de passer les nuits, tu payes. Tout en haut. Ok, va. Mais donc, on a les joies. Donc, peut-être c'est le président des jeunes de notre quartier, par exemple. Et puis, après, bon, comment Jean, tu vois, il dit c'est l'investissement, tu vois, c'est l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, on va parler que d'entrepreneuriat et je vais vous donner une première leçon. La première leçon, c'est les gens qui portent des vestes. Ceux qui travaillent au plateau, ok, d'accord, ça va, tu vois. Ton bureau est climatisé, ta voiture est climatisée, ça va. Mais. Ceux qui ont créé les grandes écoles, et puis on doit porter vers ça. Ah, mets des choses sur les gars en fait, il fait chaud. Et puis le truc, c'est que nous, on ne se lave pas. Et pour se laver, il faut se motiver. Hein. Ouais. T'as besoin de motivation. Non, moi, sérieusement, moi, il me lave pas. Hein. Et puis après, l'homme doit sentir le cabri, tu vois. Un bon homme doit avoir son odeur. Ouais. Et elle tient le cabri. Tu sais que c'est vrai, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de sectes, tu vois. Il y a la secte du syndicat, les gens cons, bêtes, qui ont décidé de donner 2000 francs comme transport et tout aux filles quand elles viennent dehors. Moi, je trouve qu'ils sont bêtes en fait. Tiens, c'est un sketch. Sinon, ils sont loin de l'intelligence, tu vois. Ça, c'est bien camouflé, tu vois. Souvent, ton voisin peut te dire que tu es bête, mais tu cotes à zéro, il te dit bon, à revoir. Mais champion, tu as pas dit si tu me dis c'est bête, yes. Mais toi, c'est les gars qui ont décidé de donner 2000. Moi, je trouve que c'est pas normal en fait. Il y a des femmes qui méritent plus. Par exemple, elle. Elle mérite rien. Non, mais elle a une voiture. 2000 à ça ou quoi? Elle mérite rien, elle va rentrer sur le tranquille. C'est un mérite d'être bon. Ouais, c'est le point. Mais par exemple, moi je me sens pas concerné dans ça en fait. Parce que moi, je ne peux pas payer le transport de la bonne qui vient de faire le charmant au salon. Et donc là, c'est ça. On paye quoi? Donc essaie de répondre en fait. Tu vois, il y a beaucoup de sets comme ça, les gars ne réfléchissent pas trop. Tu vois, les gars, c'est une set, tu vois, c'est des gars qui se motivent de ouf. Par exemple, dans la tête d'un homme, tu sais que soit il n'a pas mangé, ou bien il ne s'est pas lavé. Mais les filles ne passent pas à côté. Il y a trop de choses dans sa tête. Par exemple, mèche, fossile, faux ongles. Bon, on parle des hommes. Après, il n'y a pas envie de me perdre, tu vois. Parce que je suis en train. Il n'aime pas quand c'est comme ça. Les autres sont venus, ils ont raconté rien, ils n'ont pas voulu rire. Pourquoi vous me regardez? Après, c'est l'entrepreneuriat, ils ont coupé mon micro, tout ça, tu vois. Les sorciers sont là! Ouais! Je montre mon côté comédien, tout ça, donc j'ai du corps. Ceux qui sont derrière, ils m'en foutent. Hein. C'est les pieds qui sont devant. Garde-toi. C'est pas ma faute. Hein. Après, on voulait
même fait genre ici 5000, derrière 3000. Bon, il y a un gars dehors, après ceux qui ont derrière, vous remboursez vos jetons. Vous n'entendez pas à la fin, donc c'est ça. Mais le régisseur, il sait qu'on va le payer, lui-même il sait. Madou, régisseur. Clantelève toujours, on met Clantelève sur pancarte. Il sait que c'est mes amis entre eux, mais ils ont serré les cuits. Pourquoi c'est lui toujours qui voyage? Il a tapé poteau aujourd'hui là. Ils vont remplacer parce que lui qui est venu avant moi, il dit sérieusement, c'est pas Jean, mais là, Jean. Les boss sont devant et puis ils sont derrière, ils ont attrapé les clés de voiture, tout ça. On fait le bruit. Après, c'est pro. Tu n'as rien, champion. Non mais, sérieusement, moi, dans mon entrepreneuriat, je vais entreprendre aussi dans le domaine des emblèmes, en fait. C'est venu. C'est pas ma faute, les gars. Je vais entreprendre dans le domaine des emblèmes. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire sur ce point. Par exemple, l'emblème de la France, on met le coq. Quand tu n'es pas papato, pourquoi tu ne manges pas chez les gens? Moi, je pense que l'emblème de la France, ça doit être Mbappé et c'est tout. Attendez. Si vous voulez applaudir, applaudissez ensemble. Parce que les gens, tu as l'impression que c'est bon, lui, a donné l'argent. Les gars, du courage dans le mouvement, j'arrête. Hein. Donc c'est bon maintenant. Donc je disais, l'emblème de la France, ça doit être Mbappé et ça s'arrête là. C'est tout. Bon, la Colombie, ça doit être Bob Marley. C'est des vannes, vous mettez du temps à comprendre. C'est comme ça, c'est l'entrepreneuriat. Mais pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit enlever l'éléphant. Moi, depuis, je n'ai jamais vu l'éléphant. Sinon, c'est Yann qui nous poursuit dans la rue ici. J'ai... L'emblème de la Côte d'Ivoire, ça doit être le baka. Ça s'arrête là. Parce que, logiquement, le baka en Europe, c'est des ambulances. Ils ont fait du temps à comprendre. Nous, on te met dans un match. Tu vois, c'est les clients qui doutent un peu. Et c'est ton fils qui va nous aider. Frère, si tu n'as pas ri maintenant, après tu as ri. Mais si tu n'as pas ri après, tu peux pas emporter, arriver à la maison. En effet, on a fait une étude de terrain en fait. On a fait une étude de terrain, c'est qu'il y a des gens souvent. Ils sont là, il a payé 5000 points là, il a vu sur l'affiche que c'est affiche du mou. Les gens n'ont pas compris le truc. C'est là que les mélanges plat. Mais l'homme pour Dieu m'a rendu grand. Dès qu'il dit ici, dès qu'il masque pour faire un spectacle là-bas. Donc vous avez votre plein tombé à l'eau. Donc je disais. Tu vois, les gens, par exemple, ils sont là, ils ont payé ticket, tout ça, ils ont vu sur l'affiche, c'est spectacle du mou. Un spectacle du mou, normalement, c'est censé faire quoi? Rire. Mais le truc, c'est pas bon. Tiens, supposons que c'est lui. Il y a des supposons. Supposons que c'est lui. Moi, je joue mon sketch, tu vois, je vous ai dit que quand c'est silencieux, moi, j'oublie mes tests, tu vois. Et puis, je tombe sur lui. Bon, les gars, désolé, hein, vous là, c'est mort. Je joue comme ça. Parce que lui, il oublie mes tests. Donc, s'il vous plaît, sérieusement, soyez gens guerre. Si un rit, vous tous vous riez en même temps. Si un applaudit, vous tous vous applaudissez en même temps. Parce qu'en humour, nous, on se note sur les applaudissements. Lui qui a eu beaucoup d'applaudissements aujourd'hui, là, c'est lui qui est le plus fort. Il y a quoi? En fait, elle, 5000 étaient données. Bon, je vous explique, c'est un CQ que je vends. En fait, elle lui a donné 5000
un moment où c'est silencieux comme ça, elle rit. Mais en fait, actuellement, tu vois, il maîtrise, donc... Il vient à Bobo, mais il va répondre. Mais je disais, en fait, l'emblème de la Côte d'Ivoire, ça doit être le Vaca, parce que le Vaca en Europe, tu vois, c'est l'ambulance. Et quand ça passe la douane, si l'homme même passe à la douane, il laisse tout son jet qu'il a pris en bain, c'est pas Vaca là, et c'est pas ambulance là qui a resté genre intact en fait. Et quand ça arrive ici, tu sais, chez nous, si la santé, c'est pas trop important. Hein. Sinon, c'est lui seul qui a porté cachiné. Hein. Pendant qu'on est naturellement, hey, c'est pas jeune. Bon. C'est un sketch, j'ai pas envie de conscientiser des gens ici. Bon, les gens vont se lever, vont partir à la maison, c'est un sketch, toi. Donc quand ça passe ici, la santé c'est pas trop important, donc les lits là, on remplace ça par des sièges. Et on appelle ça le bac à lit, c'est confortable. Hein. Pour découvrir la Côte d'Ivoire, rentre dedans, c'est 200. Maintenant si tu viens découvrir la Côte d'Ivoire rapidement, monte à 500. Maintenant si tu viens découvrir la Côte d'Ivoire, tu veux que la Côte d'Ivoire va venir à toi, fais semblant de ne pas payer. Tout Côte d'Ivoire que tu veux. Donc, il y a des expatriés qui sont pas bons, qui veulent découvrir la Côte d'Ivoire, qui partent à Sini, ou bien à Passam. C'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est dans le Baka. Et par exemple, il y a trop de belles choses dans le Baka. Par exemple, moi, avant de venir m'associer à un blanc, tu vois les associations, tu vois, c'est cool. Le blanc me regarde, il me dit, frère, c'est que tu vas me donner les 300 francs. Il va les diluer. Ah, champion. Nous n'avons plus pétrole, or, cacao, c'est les trois antibiotiques. Eh, on met ensemble. Tiens, on a jamais là, on a marché, parce que souvent il y a les gars, jamais, ils viennent du temps. Tiens, t'as manqué, t'as manqué. Ils ont fait ce que dit, frère. Faut payer de l'eau en bois. Ça m'a donné 200. Il fallait pas faillir. Ils allaient te dire, pétrole, ils allaient tirer ça longtemps. Non, mais sérieusement, monter dans le bac, parce qu'il y a beaucoup de belles choses. Moi, ce que j'aime le plus dans le bac, c'est quand la quantité tape, les portiers des apports d'allier. Ça me plaît, oh! Non, hé, ça me plaît. Ça me plaît, oui. Si ta femme enceinte, elle passe la couche en même temps. Et... ça me plaît. Mais souvent, il y a des gens aussi qui vont au sport. Champion, tu fais quoi? Il va améliorer mon rythme cardiaque. Monte dans le bac à dernier au salon. Au tête de gueule de ton mari. Qu'est-ce que moi? Si ton rythme cardiaque n'est pas amélioré, c'est que toi tu dois faire AVC. Non, regarde, je vous dis ça sérieusement, monter dans le bac à. Bon, je viens là-bas. Y'a quoi? Où me faites une essai? Y'a quoi? Après, tu vois, quand c'est chic, tu as envie de descendre, mais quand j'ai tapé pour toi, j'ai et balancer une vanne qui tue partout, ouais. Mais lui il va pas rire. Et il y a public. Et en fait, c'est que vous êtes cool, vous êtes parti, mais tu vois, vous êtes trop chaud, moi ça me plaît, tout ça. Après, nous on n'a pas de producteurs, donc nous on se produit, ça, et c'est qu'il y a plus qu'un public, on a fait sold out. Hein? Ouais. Son vrai. Donc ça, il n'y a pas laissé, tu vois. Quand on fait un truc, je vais diviser la salle, comme j'ai l'habitude de faire, tu vois, ici. Et toi, là. C'est le Pougon. Tu vois? Donc vous criez Babo, acquitté. Babo, acquitté. Oh, c'est un spécial. Ouais. On coupe beaucoup courant. Si on veut vous attraper, vous coupez courant. Maintenant, ici, jusqu'à là, c'est Pougon dit. Yeah. Vous cachez votre téléphone, tout ça. Et moi, je viens d'avoir une camuse, je vais voler comme ça. Maintenant, derrière. C'est un Bobo. Vous faites des désordres. Pas bien, mais des désordres de ouf. Maintenant, vous êtes en haut là. Faites ce que vous voulez. Donc, mesdames et messieurs, festival d'édition, et c'était comment ici? Bah, ouais. Maintenant que tu dois réagir. Même pas ça, les barbeaux,